sèchement recadré par ses collègues, Agathoku quitte le plateau de TPMP en larmes. Prise à partie par plusieurs de ses collègues suite à ses propos contre Benjamin Castaldi, la veille d'en touche pas à mon poste, Agathoku, en larmes, a demandé à quitter l'antenne avant la fin de l'émission. La polémique autour de Menel fait décidément couler beaucoup d'encre. Suite à clash survenu ce mercredi entre Agathoku et Benjamin Castaldi, la première reprochait à son camarade d'avoir relayé les toits de la fèchosphère, Géraldine Maillet, absente ce soir-là, a tenu à faire savoir à sa collègue son fond de pensée. Amère, la chroniqueuse a reproché à sa collègue de s'être prise pour les lisus de TPMP, t'as dit je me suis renseignée. Alors, c'est quoi? T'as vraiment fait une enquête? Est-ce que ça cache investigation? Est-ce que cette enquête exclusive? Soit t'as des éléments, soit tu n'en as pas, mais c'est trop grave. Dans un deuxième temps, Géraldine Maillet a reproché à Agathoku de blâmer les réseaux sociaux, endroit où elle officie en maître depuis plusieurs mois, tu les condamnes mais tu es aussi une créature des réseaux sociaux. Mathieu Delormeau, silencieux depuis le début de la polémique hier, a rhabillé Agathoku pour l'hiver, j'essaierai de te pardonner dans quelques jours, mais pour le moment j'ai du mal à te dire bonjour. J'ai regardé l'émission hier, j'étais hors de moi. Les inepties, c'est toi qui les as dites. Tu dis que tu as été victime de tweeter, tu n'es pas victime des réseaux sociaux, tu as été coupable, toi à l'époque, des réseaux sociaux en sortant l'excuse de l'âge qui est ridicule. Quelle tannée marmonne Agathoku, visiblement quelque peu agacé par les diatribes de ses camarades. Piqué au vif, Mathieu Delorme contre-attaque, c'est toi qui as une tannée ma chérie, c'est toi qui es idiote. Je n'ai pas d'amis ici. Quelques secondes après le commencement de la chronique habituelle de Camille Combal, Agathoku, au bord des larmes, et est secouée par Cyril Hanouna, Agathe ma chérie, je sais qu'ils ont été très durs avec toi. Je voulais te dire qu'on sera toujours avec toi, et que je trouve que tu as fait un travail formidable hier, tu as donné ton avis. Je trouve Mathieu et Gilles que vous avez été très durs, franchement, surtout Mathieu. C'est pas sympa pour Agathe parce qu'elle donne son avis. Quand vous avez fait des erreurs, Agathe a toujours été là pour vous aider. Agathoku, blessé, indique ne pas avoir d'amis dans Touche pas à mon poste à l'exception de Maxime Guigny et Cyril Hanouna. Malgré la prise de défense de Ludivine Rettori, Agathoku, en larmes, demande à Cyril Hanouna de quitter le plateau de Touche pas à mon poste. L'animateur accepte, sa chronique skide brutalement son siège. Téléstar vous propose de revoir cette séquence.